Rage Against the Rome. Hommage, donc, hein, pas dans le sens. C'est, hein, le titre entier, c'est Why So Much Rage Against the Rome. Thank you.
bonsoir. Bonsoir. Tu sors à l'instant de scène avec ta formation Les Doigts d'Homme. Et le public a été conquis ce soir par la musique que vous nous avez proposée. On a été conquis, on a été conquis par le public aussi. Voilà, alors justement, nous aurions aimé connaître tes impressions, vos impressions par rapport à ce concert. Ah ben non, mais là c'était vraiment, c'est ce qu'on pouvait, ce qu'on peut attendre de mieux, dans le sens où les gens montrent leur présence, enfin ils nous font sentir leur présence, leur implication dans le concert, tout en respectant, parce que c'est pas évident, on a une musique qui est des fois assez entraînante, donc qui donne envie de se lâcher un peu, et par d'autres aspects, une musique qui s'écoute, donc qui nécessite un certain respect, ce qui est pas toujours évident, quoi. Quand c'est trop la teuf, pour nous c'est pas toujours le mieux, parce que on joue sur des choses un peu plus subtiles à des moments, alors du coup ça les bouffe un peu. Là pour nous c'était vraiment l'équilibre idéal. C'était vraiment super sympa, on a passé un très bon moment. Enfin, moi j'ai vraiment un ressenti très très puissant avec le public. Le moindre truc qui se passe, je le ressens. Enfin, ce qui est logique parce que c'est principalement moi qui communique avec les gens et tout ça, donc je suis assez sensible à ça. Et tout ce qu'ils peuvent me donner, moi je leur rends 12 000, il n'y a pas de problème. Moi je sais que pendant les 10 premières minutes, justement, j'apprends à sonder un peu ça, quoi. Je commence à communiquer avec les gens, je vois un petit peu à quoi ils réagissent ou pas. Donc c'est... on fait connaissance, quoi. On arrive, on se connaît pas, hein. Il y a des gens qui nous connaissaient, mais j'imagine d'autres qui nous connaissaient pas, donc voilà, on se rend compte, quoi. Donc, c'est pareil, hein, quand tu croises des gens, nous, quand on arrive sur des concerts, il y a des techniciens, des gens qui bossent, on se connaît pas, c'est pareil, en fait, on s'approche, on voit un petit peu où est-ce qu'on peut aller ensemble et tout, c'est un peu pour moi, c'est exactement la même chose. Moi je suis assez envieux des groupes qui ont des histoires à coucher dehors pour expliquer leur rencontre. Chez nous c'est assez simple en fait. Je jouais dans la rue avec un pote des standards manouches et puis du coup dans la rue j'ai rencontré d'autres gens qui faisaient cette musique, qui m'ont fait écouter des trucs, enfin, ça commençait vraiment à me passionner. Et un beau jour il y a un type qui a déboulé et qui m'a proposé de faire un disque. J'ai dit ouais, super. Et j'avais pas de groupe, pas de morceaux, nickel. Donc je me suis enfermé 3 mois, j'ai fait les morceaux du premier album. Et j'ai appelé Tanguy Bloom pour faire la contrebasse. Puis en fait, lui jouait dans un autre groupe que je connaissais. Enfin, il a des reprojets, puis il est resté avec moi depuis le début jusqu'à maintenant. Et puis après, on a changé de guitariste rythmique plusieurs fois. Bon, j'imagine que le fait que moi je sois guitariste, ça complique un petit peu mes rapports avec les autres guitaristes. Si je dois être parfaitement honnête, je pense qu'il y a un peu de ça. Mais Yannick est arrivé, il jouait avec Tanguy à une époque. Il y a toujours, c'est que des histoires de rencontres, quoi. Je pense pas qu'un groupe comme ça puisse se passer autour d'une annonce, groupe cherche guitariste, quoi. Ça marche pas comme ça, quoi. Benoît, lui, carrément, il est arrivé, on l'a rencontré, il avait 22-23 ans, quoi. Et il est arrivé, il avait relevé tous les solos du premier album et tout, enfin, c'était grave. Et il venait nous voir, on jouait ensemble, il venait sur les festivals où on jouait, on se terminait à 6h du matin, on jouait des standards dans un coin. Enfin, moi, à ce moment-là, j'avais déjà l'expérience de la rencontre, c'est-à-dire je me disais, là, il y a un truc qui est en train de se passer, il faut pas passer à côté. C'est un soliste brillant, c'est un humain adorable et tout, il avait largement sa place dans ce projet. Quoi. Donc voilà. Intégré comme ça. Et puis plus récemment, Antoine, l'accordéoniste. On a fait un disque hommage à Django qui s'appelait 1910. Et sorti de là, c'était un peu compliqué parce que nous, on a un groupe de compo quand même. Et du coup, pour pas qu'il y ait de risque de comparaison avec l'album d'avant, enfin, moi je trouvais qu'il fallait apporter quelque chose de nouveau sur le son. Quoi. Il y a ça, puis il y a que l'accordéon, c'est un instrument polyphonique, qui n'est pas juste un soliste de plus, genre un violoniste ou un saxophoniste. Il y a qu'il apporte des valeurs longues, donc ça permet nous de prendre beaucoup plus le temps, de créer des ambiances plus larges et tout. Chose qui est difficile à faire avec la guitare manouche, c'est des sons très secs et tout ça, quoi. Donc ça a beaucoup apporté au son général. Je suis très content qu'on ait fait ça. Et pareil, sur le plan de l'humain, on savait que. On s'était déjà un peu côtoyé, on savait que ça allait fonctionner avec lui. C'est devenu important, ça.
qui est... Vas-y, viens t'asseoir, ma couille. Voilà, avec mon copain Benoît, par exemple. Là, c'est bah ouais, exactement. C'est tranquille. T'as rien pour le guitariste. Parce que là, je tiens le bousin. Cette formation. Alors, Benoît, est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu as vécu le concert de ce soir? Eh ben, super moment. Alors, pour être honnête, de l'intérieur, ça se voit pas forcément quand on est dans le public, mais nous, on avait des conditions de son un petit peu difficiles, mais voilà. Oui, pas. On s'est quand même bien régalé, les gens étaient super chaleureux, et puis on a réussi à surmonter ça. Et du coup, bon professionnel. Et ben, en tout cas, grâce à vous, on a pu vivre pleinement le fait que les doigts de l'homme sont capables de nous emmener très loin au niveau artistique, musical, dans l'émotion, dans le plaisir de la musique. Et nous vous en remercions très très chaleureusement. Alors là, c'est complètement nous, hein, parce qu'en fait, si on a le loisir justement de continuer à exprimer ça, c'est parce que là on a joué, c'était blindé de monde et tout ça. Le jour où on jouera, où il n'y aura plus personne, ça va devenir très très compliqué pour nous s'exprimer artistiquement. Donc je pense que les remerciements, ils doivent aller un peu dans l'autre sens. En tout cas, merci beaucoup et puis à très bientôt. Avec les collègues. Merci. Vous avez été formidable.